Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4. Évidemment, je suis super content encore plus aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui qu'est sorti sur Xbox et PC le fameux marché noir. Alors, je l'attendais, c'est vrai que j'ai été déçu dès la sortie du jeu, je me suis dit tiens, c'est bizarre, pas de marché noir comme sur BO3. Donc je trouvais ça vraiment curieux. En fait, en fouillant un petit peu, il faut savoir que les PlayStationeux ils l'ont eu une semaine avant nous. Donc voilà, il y a déjà eu des fuites bien sûr de joueurs de PlayStation. Donc j'étais vraiment déçu de voir qu'évidemment, ils ont une sorte de pseudo exclusivité temporaire, donc ça va être aussi le cas sur les DLC malheureusement. Néanmoins, il est là, ça y est, enfin, donc je suis content de pouvoir vous le présenter. Voilà, on l'a sous les yeux. Alors comment il se compose? Donc fini le sort de marchand chelou un peu sombre qui me faisait un peu penser au vendeur sur Resident Evil 4, vous savez, qui faisait un welcome en ouvrant son blouson. C'est terminé tout ça, donc on faut dire que Fortnite est passé par là, entre autres, Fortnite et plein d'autres jeux sont passés par là en mettant en place des saisons. C'est-à-dire donc des événements qui vont durer dans le temps, donc là c'est le cas. Donc vous voyez, il se termine dans 52 jours, donc 52 jours, on est le 26, je retiens 4 multiplié par 6 avec le cosinus, mais si le roi et la reine ne le veulent pas, ce sera à mon avis autour du... dans 52 jours, c'est-à-dire autour du 20 décembre. Donc on a à peu près 2 mois pour réaliser cette opération. Donc faut savoir que cette opération, elle se compose de plein de paliers, on va appeler ça des paliers. Alors c'est un peu le mystère, hein, ça vient d'arriver. Donc voilà, premier palier, donc on gagne le démon du skate, hein, c'est une plaque, je sais pas trop quoi ce que c'est. Ici c'est des stickers pour mettre sur des armes, là c'est une carte de visite, alors oui c'est un peu bidon, hein, voilà. L'œil de lynx, donc c'est une plaque pour Seraph. Là on a mouvement, voilà. Alors ça je vais revenir dessus parce que franchement ça m'énerve. Depuis justement, on va dire, l'avènement et la surpopularité de Fortnite, bon oui c'est, pour moi je déteste ce jeu, mais bon, depuis voilà, l'avènement de Fortnite, depuis que des célébrités reprennent les mouvements, les fameux mouvements que même reprend certains footeux pour vous dire la popularité, et ils nous en foutent partout. Donc on en avait déjà sur Black Ops 3, mais là c'était légitime. À chaque fois que vous finissiez un match à mort ou que vous étiez dans un top 3, et à la fin de la partie vous pouviez faire justement ce fameux mouvement un peu pour vous la péter devant ceux qui ont perdu. Là pour le coup, je vois pas l'intérêt. Alors peut-être qu'on peut le faire en mode blackout quand on finit premier, chose que je n'ai pas encore eu la chance de faire, mais quand vous faites du match à mort, c'est vraiment ridicule, ça sert à rien, parce qu'à la fin de la partie il n'y a pas une sorte de petit podium où vous pouvez faire votre mouvement préféré un peu pour narguer l'ennemi. C'est pas le cas, il n'y a que dalle là, rien. Et puis par contre vous pouvez le faire en partie, alors là ça me fait doucement rigoler. Moi ça m'est arrivé, j'ai un mouvement à la con, vous savez, ça fait un pouce comme ça, il faut 5 secondes pour le faire à peu près, entre sortir le pouce de sa poche, ranger son arme, faire le petit pouce et reprendre son arme, il se passe 5 secondes. Autant vous dire qu'en hardcore, vous avez aucune chance, vous dégainez votre pouce, vous êtes mort. Donc je vois pas l'intérêt. D'ailleurs j'étais victime de ça, une partie, je faisais justement un pouce à un de mes collègues, et je me suis fait tuer à ce moment-là, et finalement celui qui m'a tué, celui qui est passé en killcam finale, donc j'étais bien ridicule, on m'a vu faire ce pouce sur la killcam finale. Ridicule quoi, franchement. Donc voilà, ils en foutent partout, et même dans Forza Horizon 4, hein, j'ai gueulé pour ça. C'est vraiment faire du contenu à moindre coût, vraiment nous faire chier, parce que là, franchement, arriver au niveau 5 pour gagner un mouvement, voilà, c'est vraiment, comme ils disent, sur n'importe quel mode blackout ou multijoueur, c'est quoi l'intérêt, quoi. Alors, passons, parce que sinon je vais m'énerver. Donc, un largage, donc obtenez un objet exclusivement des réserves. Je sais pas ce que ça veut dire, enfin bon, c'est peut-être une arme, une variante d'arme. J'ai vu qu'il y avait des variantes d'armes. Ensuite, des autocollants encore des mouvements, voilà, c'est des trucs. Vraiment, c'est pour meubler, quoi. Je veux dire, c'est ça. C'est comme dans le wheel spin de Forza Horizon. Vous êtes content quand vous avez un super wheel spin et vous gagnez un chapeau melon bariolé et deux mouvements, quoi. Là, c'est pareil. Donc, on gagne de la merde au niveau 8. Niveau 9, encore un colis. Niveau 10, bon, là, c'est un peu mieux. C'est quand même un petit camo qui est pas moche du tout, hein, pour Seraph. Sympa. Niveau 11, on va encore avoir une plaque ou un sticker à mettre sur l'arme. Donc quand on regarde, il y a des pièces de l'ensemble 0 sur 5 et en bonus récupérer le kit complet. Et quand vous regardez en bas à gauche de l'écran,
Tout en bas à gauche, on a jauge de modification. Alors, je peux pas cliquer dessus. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il y a trois cartes et une petite flèche return. Je vois pas du tout. Donc, niveau 12, encore un largage. 13 aussi, donc là, ça vaut déjà plus le coup. 14, ben, on a un vieux stickers dégueulasse. 15, encore une valise. 16, un mouvement. Super, c'est génial. On peut même faire l'aperçu du mouvement. Voilà, ouais, voilà. Tiens, ouais, ça, c'est typique Fortnite. C'est vraiment dégueulasse. Alors ensuite, encore une caisse, encore un stickers pour ruine. Ensuite, des caisses niveau 19 et 20. 21, un vieux donut dégueu. 22, 23, encore des caisses. C'est quoi ça? Une tenue pour Seraph. Plutôt jolie d'ailleurs, faut dire. J'aurais bien aimé les tenues où on voit le visage de Seraph. Parce que je fantasme sur Seraph. Niveau 25, encore une caisse. Hop, on passe. 26, un stickers, une vieille hyène avec la crête à comment ça s'appelle? Ah, je vous ai mangé son nom, tiens. Et pourtant, je la prends tout le temps en partie. Ensuite, une caisse. Une carte de visite dégueu. Voilà, encore des caisses. Ensuite, c'est quoi ça? C'est une tenue pour ruine. Plutôt jolie aussi, ça va. J'aime bien les tenues. Les skins, c'est toujours sympa de les retrouver. Ensuite, des caisses. Encore un stickers. Recaisse. Ici, on a un mouvement. Voilà, un mouvement avec une sorte de boîte à rire derrière. Une caisse, stickers encore caisse, 30-40, 41, un stickers, 42-43. Ici, on a une tenue berserker pour ruine. Ensuite, on a encore une caisse à 45, un stickers pour Ajax, caisse, une carte de visite qui sert à rien. Alors là, on a une nouvelle arme. Donc, non, même pas, c'est un camouflage pour la Titan, donc plutôt sympa. Ensuite, 51, 52, 53 des caisses, 54 restickers, 55 une caisse, ainsi que 50 et 57, 58 encore un sticker, 59, 60 des caisses, 61 aussi d'ailleurs, 62, ben, on a encore une tenue pour Nomad ce coup-ci. Après, on a encore 3 caisses, une carte de visite, 67, 79 des caisses, 70, une peinture pour Ajax, 71 jusqu'à 73 encore des caisses, Crash qui a droit à une plaque, 75 jusqu'à 77 encore des caisses, 78 une peinture pour Ajax, plutôt joli, j'aime bien, avec du genre du sens partout sur les bras, plutôt stylé, vraiment bien. Et ensuite on a encore des caisses, là on a un mouvement, super, il fait du hula hoop, c'est d'enfer, voilà, c'est vrai que c'est ridicule. 82 une caisse, 83, et voilà, c'est pour batterie, ce que je cherchais tout à l'heure, la hyène avec la coupe à batterie. 84, 85, une caisse, 86, on a un chatueur, encore 3 caisses chez 89, 90, ben voilà, un camouflage pour batterie, 3 caisses de 91 à 93, 94, alors encore un mouvement, voilà, s'il sent plus pisser, 95 à 17, des caisses, une carte de visite quand même. Et on va aller 99 et 100 encore pour batterie. Et ensuite de 101 à 104 des caisses, 105 on a pour la GKS camouflage. Ensuite on a des caisses de 106 à 109, on a encore une petite stickers, des caisses jusqu'à 113, 114 une tenue pour torque, 115 à 117 des caisses, 118 une carte de visite, 119, 120. 121 des caisses, 122, 123 jusqu'à 125 des caisses, 126 on a pour Firebreak, un joli, hein, franchement il est sympa, hein, violet comme ça, il pète franchement le camo. A few moments later. Encore une carte de visite moisie, E.T. avec un ours, ouais. Des caisses, et on va jusqu'à 200, où là on a un camo pour l'ICR7. Alors je ne pense pas que ce soit un camo, je pense que c'est une variante d'arme. Pour moi, je pense que c'est une variante. On va aller voir ça. Donc, ça s'arrête à 200. Donc, vous voyez, je suis niveau 1 parce que j'ai fait une partie avec quand ça s'est activé. Ça s'est activé à 19h en fait. Donc, je fais une partie jusqu'à 19h10. Donc, j'ai fait un niveau. Donc, ça, à mon avis, pour monter au niveau 200, ça va être du sport. Ah oui, un personnage pour le mode Blackout. Hudson. Plutôt stylé. On dirait un peu l'agent. L'agent 0, l'agent X. Je sais plus comment il s'appelle. Décidément, je perds la tête, hein. De Hitman, donc c'est plutôt stylé, j'aime bien. Mais c'est que pour le mode Blackout, malheureusement, ça aurait été sympa d'avoir un personnage comme ça en multi. Donc voilà, donc on a fait vraiment le tour de tout ce qu'il y avait à peu près débloqué, donc évidemment je suis passé plus vite. Donc on notera que plus on monte dans les niveaux, plus il y a de caisses, et c'est vrai qu'au début, ben, on va faire les galériens en chopant des pop stickers tout pourris.
Donc voilà, ça c'est vraiment le marché noir et c'est ce que j'attendais vraiment avec impatience, donc je suis super content. Alors à mon avis pour le moment, donc c'est des saisons, il faut jouer pour débloquer, mais il ne, je pense, alors on n'a aucune confirmation, donc il semblerait que non. Mais enfin, on sait comment ils sont, l'un des cas du blé à prendre, c'est pas les derniers non plus chez Treyarch. Je pense qu'ils vont faire comme sur Black Ops 3, c'est-à-dire qu'ils vont mettre un système où on pourra acheter avec des points Call of Duty. Alors j'espère, parce que quand vu que j'ai eu le jeu en précommande, j'ai eu 1100 points, qui me permettraient d'acheter quelques caisses en théorie. C'était des caisses à 200 balles, ouais, je crois. Donc là, pour le coup, on ne peut pas, il faut les déverrouiller en jouant. Est-ce qu'il n'y aura pas un système de promotion avec des largages, avec des caisses en fait de ravitaillement? Je pense qu'ils vont le mettre. C'est pas mal, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand j'ai un petit peu de thunes, j'aime bien me lâcher à acheter 5 caisses. Bon, finalement, les acheter de temps en temps, au bout d'un an que le jeu est sorti, j'ai payé 4 fois le jeu, mais bon, voilà, c'est, vous savez, il y a une petite excitation là quand vous avez un pack avec plusieurs colis à ouvrir, comme c'était sur World War 2, et là vous vous dites, j'ai chopé une arme épique, j'ai chopé quelque chose. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette petite excitation, quand vous l'ouvrez, donc ça j'aimerais le retrouver aussi. Là pour le coup, je sais que déjà de niveau 1 à 5, je vais me taper de la merde. Ouais, il n'y a vraiment rien quoi. Vraiment pour avoir le premier colis, il faut aller au niveau 6, donc je pense qu'il va falloir geeker. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais geeker ce soir. Je vais essayer de récupérer Nico, j'essaie de faire un petit gameplay dans la foulée. Allez, ben donc c'est parti pour Firing Range, donc avec Nico pour le coup. Donc c'est plutôt bien, on va pouvoir jouer tous les deux. Alors c'est parti, j'espère pouvoir choisir mon perso dès le départ. Ouais, hop, Nico, tu m'entends? Ouais, ouais. Ça marche. De loin, mais... Allez, ah bah c'est bon, on arrive au début. C'est reparti pour un tour. Batterie. Alors c'est quoi ton perso préféré? Pour le moment, H ou agent. Un petit Firing Range, ça fait toujours plaisir. Bon, j'espère pas faire trop de caca. Parce que je suis parfois le spécialiste du caca. On a pris la tête. Méfiance. J'étais sûr. Je l'attendais. Bien maniable, hein, moi, j'aime bien. Ah, j'ai vu trop tard. Bon, faut... Ah si, là-bas. J'ai un vieux réflexe de recharger systématiquement quand je fais un kill. Et ça va, ça me joue des tours. Ah oh mais non, c'est un allié, putain. Y'en a, ils ont été finis au pipi quoi. Les mecs ils sont trop chauds les gars quoi. Oh, je l'ai pas eu. Oh non, mais là, si ça c'est pas du bullshit, non mais attends, sérieux quoi. J'étais dessus quoi. Truc de ouf. Ah, ils font chier avec leur bouclier. Putain, ils ont des armures, hein. Ils font chier quoi. Ouais, il y en avait partout. Il y en a deux partout. T'en as eu deux au moins? Ah, il y en a un autre de ce côté. Dans le préfab. Oh putain. Bien joué, poulet. Ça arrive, par contre, fais gaffe. Hein. Je remonte vers notre spoon en fait. Il y en a un au-dessus. Bon, le coup de lag.
Drone ennemi en vue. Il est sérieux, lui? Non, bon, en sautant, tranquille. On peut planer. T'as l'autre, il s'est enfermé là-haut avec barbelé, t'as vu? Il y a du lag. Marqueur. Attention, foudroyeur ennemi en approche. C'est pas vraiment normal. Rentre. Ça a fait mal, ça. Bon, bah, partie correcte. Plutôt bien. Au travail. Et toi, Nico? Ah, bah, bien joué aussi, 19. T'as pas remarqué qu'il y avait des coups de lag par moment? Ah, cet ICR, il est magique. Ah, ouais, bah, c'est moi. Ah, bah, super, voilà. Bon, on a vu en direct le tir ami. D'accord, je t'ai dit, il y en a, ils ont été finis. Ils sont trop stressés, les gens. Entre les... C'était un allié? Ouais, c'était moi le dernier. Ouais, mais c'était un allié qui t'a tué. Oui, c'est un allié, bien sûr. Alors, entre ceux qui sont sous Prozac, qui sont à 2 à l'heure, et les trop nerveux, on est gâté. Ah, la jungle, c'est bon, ça. Ah, pour mettre la poignée 2, c'est bien ça. Faut mettre la poignée 1. Ah, moi, dès que je fous la poignée 1, ça ne fonctionne plus. En fait, quand j'ai... Il te faut une deuxième place pour mettre la poignée 2. Ah, c'est une place en plus. En fait, faut vous mettre les deux poignées. Il faut mettre poignée 1 et poignée 2. Ah ouais, d'accord, ok. Je sais pas, c'est pas très... C'est un peu nul à chier, je trouve. Ouais, c'est pas très intéressant, non, effectivement. Bah donc voilà, ouais, t'as réussi des mystères. C'est un peu débile. Merci, Sherlock, Nico. Tout ça pour avoir un peu plus de précision. Mais je suis pas sûr que ça en donne beaucoup plus. Faut vraiment voir. Je suis pas terrible. Non. Allez, c'est parti sur jungle. C'est quoi qui t'enlève ta tactique? La seringue. L'équipement? Bah quand tu mets ta seringue, ça enlève la tactique. T'as pas de grenade tactique. Soit la seringue. Donc, vaut mieux pas mettre de grenade. Si... Non, moi je garde la seringue. C'est reparti pour ça un peut tour. Être, ça m'a dépanné plusieurs fois. Allez, feu. Bon allez, on leur casse le cul. C'est parti pour la mission, les gars. Bon, fais gaffe, parce que là, je suis attendu. Bah non. Bah. Encore. Ils sont où? Ouh, attention, ça va camper. C'était Black Ops 1 ou 2, ça? Black Ops 1. Ouais, et ouais, d'accord, en dessous d'un caillou, ça commence. Elle a des boîtes, c'est ça. Ouais, il est vachement bien. Oh, les lags! Tu m'étonnes. Encore. Oh, tu me couvres en saccadé, quoi. Ouais, ouais. Oh putain! Ah si, je l'ai eu. Ah, il lag les mecs. C'est compliqué, hein. Il y a un Recon par là. Oh, mais ça fait déjà le tour. Ouais, ouais, ouais. Et sur le rocher, bien entendu. À l'endroit rêvé pour les campeurs. Sur ce putain de rocher. Et en plus, c'est pénible parce que voilà, ils vont s'enfermer avec du barbe là-haut. Je me sens d'entendre courir. Bon, mais il est mort sur le rocher. Fais gaffe, Nico, ils sont vers toi. Hein. Non, dans la cabane en bois là-bas. En face, ils sont vers le village en feu. On a l'avantage. On a reçu. Je l'ai eu. Putain. Non, non, qu'on n'est pas. Ah, l'autre, il est couché par terre. L'ennemi. Je vais le grenader. Le grenadiner. Comme on dit dans le bouchonnois.
Soit il est mort, soit il est parti camper ailleurs. Il est mort. Ah non, il était pas mort, il était derrière. Les spoons, c'est complètement what the fuck sur ce jeu. Des fois, t'as à peine apparu. Oh bah, d'accord. T'as à peine apparu que tu te prends déjà une cartouche de derrière, quoi. Ouais, putain, je l'ai vu déployer sa merde là. Viens chercher. Au-dessus. L'autre, il a campé tout le long sur son rocher, quoi. C'est toujours mieux. Là. Oh, tant pis. Attention, foudroyeur ennemi en approche. Aïe, ça va faire mal. Je me fous ta couleur quelque part. Oh merde! Miku, hey, j'ai tiré derrière toi! J'ai eu ta tête quand même! Tu crois ça? Allez hop! Tu me récupéreras la prochaine. Oh, on gagne! Oh ouais. J'ai une Pokéball là. Faut pas quoi. Les spoons, c'est vraiment, mais vraiment à chier quoi. Tiens, je sais pas ce que c'est qui fait ce bruit. Ah, du coup, j'arrive pas à le tuer. Oh, il y en a un autre, mais mon pote il est passé à côté, il a même pas vu. On a gagné. Opération réussie, bien joué. Ok, 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 bon c'est pas si mal. 25 frags, je suis plutôt content. Ah, ICR, c'est vraiment une arme abusée quoi.